Bonjour et bienvenue pour plus de The Long Dark dans le noir. The Long Dark dans le noir. Alors la dernière fois... Alors attendez, est-ce qu'on a... Ouais, il faut qu'on se vide l'inventaire, donc on va trouver le petit placard qui est pas très loin. Placard. 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 Donc la dernière fois on était sorti en fait, on voulait faire le tour du lac Mystère. Parce qu'on n'avait pas fouillé. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a trouvé des cerfs, en fait, sur le lac Mystère. Donc, du coup... Enfin, sur le lac. Du coup, bon, on a joué à Revolver Ocelot, donc on a mis des balles dans la tête. Et ça s'est très bien passé. On a pu en découper un entier. On a récupéré la peau, on a récupéré la viande, etc., etc. C'est très bien passé. Et on a eu la visite, pendant qu'on était occupé, de Winnie. Alors Winnie a essayé de nous, il a vraiment essayé de nous faire peur et tout ça. Sauf que ça s'est mal passé pour Winnie, il s'est pris 2 balles et il en est mort. Donc maintenant nous avons un ours qui est en train de geler sur le lac. Ah tiens, on avait récupéré ça aussi. Qui est en train de geler sur le lac et il faut absolument en fait qu'on aille récupérer donc sa peau. Parce que sa peau il faut 10 ou 15 jours je crois pour qu'elle sèche. Donc c'est vraiment vraiment ça. Le plus important. On est à 26 kilos, c'est très bien. Donc voilà, il y a vraiment ça à récupérer à tout prix. Et après, bon, il y aura des boyaux, il y aura de la viande. La viande, honnêtement, est-ce que c'est vraiment utile pour le moment? J'ai envie de dire non, parce que... Il nous faudrait en fait le niveau 5 pour pouvoir la manger sans problème. On est à peine niveau 3, enfin presque 4. Après, on peut la prendre, la faire cuire, ça nous fera monter le niveau. De toute façon, c'est pas vraiment perdu, hein, quand on gagne de l'expérience quand même. Après, la viande, on peut la mettre de côté, mais il faut penser que bah, faire tout ça, en fait, c'est que ça prend du temps. Parce que faire cuire la viande d'ours, ça prend une plombe. Ça prend 1 heure, je crois, par steak. Voire même plus, genre 1h15, un truc comme ça. Sauf si on le fait, bien sûr, on en fait tout. Donc, ouais. En tout cas, on va sortir... On a un beau temps, ça s'entend, hein. Oh là là, très très beau temps, on va passer encore un bon moment. Mais voilà, donc ce qui est le plus important pour le moment dans cet épisode, c'est le but de notre aventure là maintenant, on va découper ça après, c'est d'aller récupérer la peau, voilà, c'est vraiment vraiment ça. Si on a la peau, honnêtement on est bingo, après tout le reste c'est du bonus. Je vais regarder s'il n'y a pas des petits bâtons qui traînent. Mais ça m'étonnerait parce qu'on avait tout fait ici. Donc ça m'étonnerait qu'on trouve des choses. Ouais. Ah non. On va rentrer, on va voir si on peut pas casser des chaises et tout ça. Ça sera plus rapide. Ça sera un peu plus... Enfin, moins dangereux déjà. On va prendre 2 steaks. On en a beaucoup, hein, des steaks. Hein. Et je crois bien, si je dis pas de bêtises, on a encore des cerfs, en fait, qui se baladent sur le lac Mystère. Ok, on a ça. Donc, on peut encore aller chasser, honnêtement. On peut aller encore aller chasser. Et on a encore le revolver qui est en très très bon état. Genre sans problème. Et on a encore une trentaine de balles ou un truc comme ça. 2 heures. Pff, la vache. Ouais. Donc du coup honnêtement on est bien, on est très bien même. Est-ce qu'on peut pas casser autre chose? Encore 2 heures. Ouais vas-y go 2 heures. Voilà, là ça s'est calmé. Très bien. On va faire de l'eau quand on va faire du feu. S'il faut faire du feu à côté de la carcasse. Hein. Donc on va faire de l'eau, donc pas besoin d'en prendre des tonnes. Je crois qu'on avait 2 bouteilles, un truc comme ça, on les a laissées par terre. Ok, let's go. C'est parti. Ok, on a un petit brouillard. Et après, si je dis pas de bêtises, on a encore genre 2 petits cabanons là de pêche. Et on a encore une maison. Je crois, à fouiller. Sur le lac, hein, dans ce périmètre-là. On va pouvoir s'occuper. On va pouvoir vraiment s'occuper. Et ce qui est intéressant, c'est que les maisons, elles ont des lits. Donc, à la limite, on peut passer le temps à l'intérieur.
Genre se reposer ou alors juste passer le temps s'il fait froid ou etc etc. Donc c'est plutôt cool. Ah oui, et la dernière fois on avait eu des loups. Je sais pas si j'en ai parlé là ou pas. Enfin bref. C'est pas grave si j'en ai déjà parlé. On avait eu des loups qui étaient dans ce périmètre là, qui étaient pas très loin en fait de la carcasse du loup, de l'ours. Donc on va devoir faire attention à ça. On va devoir faire gaffe. Après il y a un cadavre là que je voulais aller fouiller. Je sais plus s'il est de ce côté là ou de ce côté là. Oh, on entend les loups. Le chemin là, y a tapa là, la 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 la. Donc quand je parlais de loup, hein. Ah, il doit être ceux de l'autre côté le cadavre. Massette, il est cadavre, il est là. Et le loup, il est là aussi. Donc nous, on a l'ours là-bas. On va aller dans ces bâtiments-là. On va aller se mettre à l'abri. On va se réchauffer, passer le temps. Et essayer de semer le loup. Alors, que faire par rapport au loup? Que faire par rapport au loup? J'ai envie de les tuer. Pour plusieurs raisons. Déjà parce que je les aime pas. C'est la première raison, honnêtement. La deuxième raison, c'est parce qu'on a besoin des peaux, quand même. Alors, c'est vrai qu'on va pas faire les peaux, on va pas les utiliser maintenant. Encore une fois, parce qu'il nous faut couteau et hachette. Mais ça, encore une fois, ça va vite arriver, honnêtement. Si, vu qu'on va partir à un moment ou à un autre pour... Y a quoi cassé, en fait? Y a pas grand-chose. Ouais, la chaise et tout ça. On va partir de toute façon pour créer la hachette et le couteau à un moment ou à un autre. Donc les peaux, c'est jamais perdu. Et surtout, c'est que ça donne des boyaux. Et puis ça monte, enfin la carcasse, enfin des carcassés, machin. C'est des carcassés? Des carcassés, la carcasse, hein? Ok. Collecte sur carcasse. Donc voilà, c'est pas perdu. C'est vraiment pas perdu. Mais voilà, je pense qu'on va s'en débarrasser quand même des loups. J'ai vraiment envie de m'en débarrasser, honnêtement. Ce qu'on pourrait faire... là, on a passé quoi, 40 minutes. Dormir une petite heure. Ouais. À dormir une petite heure, on va attendre que le loup parte. On va ressortir, on va se mettre accroupi, on va aller vers le... la carcasse de l'ours, on va faire un feu et on va essayer de faire comme la dernière fois en fait avec ce qui s'est passé pour l'ours. Allez, je me suis pas accroupi, super. Pour l'ours lui-même, c'est-à-dire que on va utiliser. Putain, il y a vraiment un gros brouillard par contre. Non, ça devrait être bon. On va utiliser le feu comme bouclier, c'est-à-dire que si jamais les loups s'approchent. Ils vont s'arrêter au feu. Je vois strictement rien, c'est cool. Ils vont s'arrêter au feu et nous on aura une belle ligne de tir. Et pam pam. Pam 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 dans la tête. Ah il est là l'ours. Par contre là c'est un peu... Allez go accroupi. C'est un peu compliqué en fait pour voir les loups arriver en fait. Là j'avoue que c'est un peu la merde. Bon il n'y a pas de vent, ce qui est bien. Ce qui est bien. Ok, let's go. Let's go. Attends, il y en a un devant, un derrière, je crois. Ok. Ok, reste cool, reste cool. Faut pas que le feu s'éteigne. Reste cool, reste cool. Oh la vache. Mais c'est quoi cet endroit? C'est un cauchemar en fait ici. C'est genre Silent Hill quoi.
Bon, on lui a mis une balle. Oh, on lui a pas mis dans la tête. M'énerve ça. Qu'on mette pas dans la tête à chaque fois. On va faire tac, tac, 3. On va mettre 3. On va mettre ça là. Vous voyez le feu, ça fait barrière. On va mettre ça comme ça. On va mettre de l'eau. Très bien. Est-ce qu'on a chaud? On a chaud. Ah, c'était pas dans la tête. Après, on m'a dit que je pouvais recharger le revolver. Non, je pouvais décharger le revolver dans l'inventaire pour éviter de faire tomber la douille. Alors, on peut faire ça. Du coup, on va récupérer 5 balles et la douille, et puis après, on... T'es bon, là? T'es bon? Oh, on va faire ça. Oui, on m'a dit ça. C'est vrai que sur le coup, j'avais pas pensé de recharger par l'inventaire. Enfin, de décharger par l'inventaire. Parce qu'après, on est quand même obligé de recharger manuellement. C'est parfait, mec. T'es juste à côté. Du coup, on peut te découper au feu. Oh, mais c'est énorme. Il est où ton pote? Il est où ton pote? Est-ce que c'est celui-là qu'on a touché la première fois ou pas? Je sais pas. Bon, bref, concentrons-nous. Alors, fais voir. Déjà, je voudrais regarder ça. Revolver. Alors, compensation recul 25% et état plus 2 en réparation. Ok, ça marche. Alors, c'est ça que je voudrais faire. Mais, si je dis pas de bêtises, vous pouvez pas découper carcasse gelée à plus de 50%. Ok, le gel. Mais je pense qu'on peut pas le faire et qu'il nous faut un couteau et une hachette. Parce qu'à chaque fois, en fait, je sais pas pourquoi ils font ça, mais à chaque fois, ils vous montrent l'outil et je crois que ça ne marche pas. Bon, par contre, on va pas attendre, on va juste faire ça. Ah, on va attendre quand même que ça dégèle, parce que là, on met trop de temps. Ah, il faudrait le faire à la main. Si on le fait à la main, ça va beaucoup plus vite. Ouais, on va faire le loup d'abord. Ah, la main, 36%, très bien. 36 minutes, pardon. Ok, mais bon, donc ça nous fait une peau. Très bien. Ça, c'est potable 48 minutes. Toi, t'es à 38%. Alors, fais voir. Ouais, il nous faut hachette et couteau. Ouais, ouais, non, c'est bien ce que je pensais. Donc, on peut prendre la peau en 36 minutes. Ouais, ça paraît très bien. Donc, ça, c'est le plus important. Donc, on a les deux peaux. Très, très bien. On a un peu de la neige. Très très bien. Est-ce que toi tu gèles? Non. Non non, ça va. Parce que nous on a froid là. Ah, peut-être qu'il est à cheval en fait, un peu sur le feu, donc du coup ça passe. Du coup il gèle pas. Oh non, on a le vent qui se lève. Non. Ah, attendez. On va prendre des torches. Le vent souffle d'une façon... Qui fait en sorte que ça le touche pas. On va prendre ça. On a toujours la lumière, donc il n'a pas été soufflé. Ok. Ah, ça y est, ça y est. Merde! Ah! Ah, j'ai perdu l'eau comme un con. On a 5. On va rentrer. On a encore une maison et un...
Et un truc de pêche à fouiller, hein, ça m'embête. Est-ce que on a assez... On n'a pas vraiment de nourriture en fait pour tenir, on a des massettes. Et on n'a pas d'eau, on n'a pas d'eau. Ok, on va rentrer. Faudrait aller récupérer le cadavre aussi avant qu'on parte. Ok, on avance. Faire attention parce qu'il y avait quand même un loup qui est allé de ce côté là. Ou alors on l'a tué, je sais pas trop. On va essayer de passer sur le côté gauche. Ah non, ça c'est chiant. Donc il faut qu'on aille récupérer l'eau. Je vois rien en plus. Faut qu'on aille récupérer l'eau. Faut qu'on pose nos pots. Et notre boyau. Faut qu'on récupère un peu de nourriture, tout ça. Il faut qu'on dorme au moins quelques heures. Et après on ressort. Ah c'est embêtant là, parce que là on aurait pu récupérer... pas mal de boyaux, on aurait pu récupérer... quoi d'autre? Enfin plein de choses quoi, les boyaux, la viande aussi. On aurait monté en récolte de carcasses, on aurait monté en cuisine. Là j'avoue que c'est mal tombé. Un peu mal tombé, mais on a eu le principal, c'est-à-dire peau de l'ours. Le reste c'est bonus. Le reste c'est bonus. Faut faire de l'eau, pardon. Comme je dis, il faut toujours voir le positif. On était sorti pour de la peau de l'ours et on est rentré avec peau d'ours et peau de loup. Donc hein, très bien. Un loup en moins aussi, ça c'est bien. Aïe 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 aïe. Ah ça m'embête hein, le coup du vent là qui se lève comme ça. Ça m'embête. Ouais, deux c'est très bien. Aïe aïe, ça aurait pu un peu mieux se passer, c'est pas grave. Alors, fais voir un peu. Alors déjà, je veux voir si elle est où l'eau, parce que je crois qu'on avait mis de l'eau par terre. Ah ok, là, très bien. Ok, donc on a... on va mettre la peau de l'ours là. Très bien, on va mettre la peau du loup, hein, là. Très bien. Les peaux de lapin, il faudra... Ouais, les peaux de lapin sont séchées. Il y a les boyaux... Il y a du boyau frais et boyau séché. On en a qu'un seul. Ok. On a du boyau frais et séché. Je pense qu'on peut peut-être faire les moufles. Je pense. Je pense qu'on peut déjà faire les moufles en peau de lapin. Après, je peux regarder les peaux de cerf. Mais encore une fois, on peut pas le faire ça dans la nuit, donc c'est un problème. Donc on va devoir faire ça quand il y a une aurore boréale. Donc ça peut être jamais. Ça peut être jamais, c'est tout simplement. Donc c'est un problème. Mais on va se débrouiller, on va se débrouiller. De toute façon. Encore dormir un peu. J'espère que ça va pas durer longtemps. Pfff. Alors après, maintenant qu'est-ce qu'on fait? Enfin, quand le temps sera amélioré, qu'est-ce qu'on fait? On retourne vers les carcasses? Pourquoi faire? On a quoi à prendre? Le truc, c'est qu'on peut pas vraiment prendre la viande. Enfin, si on peut la prendre, mais ça nous sert à rien. Parce qu'on peut pas la manger. Ouais,
ça nous sert à rien. Il nous faudrait... faudrait qu'on parte à la chasse d'un cerf. Là, on a vraiment un temps de merde. Faudrait qu'on reparte à la chasse d'un cerf, à la limite. Ça pourrait justifier le fait de faire du feu. La bonne tempête en plus, hein, encore une fois. La très bonne tempête. On va voir si on peut rien casser. Ah oui, je crois qu'il y avait une chaise. On peut la casser. Non, une table, table. Qu'on rentre là. Table. Ah, il faut une hachette. Ah, fait chier. Ah oui, qu'est-ce que j'avais mis là? Ah oui, le marteau, ok. Qu'est-ce qu'on pourrait casser pour passer le temps? Achète. Ça aussi, c'est fou hein, d'avoir une scie. Enfin, après, c'est une scie à métaux, d'accord. Mais une scie à métaux, elle fait le boulot. Hein. Ah, là, on a une chaise. Je veux pas dire, mais une scie à métaux, elle fait le boulot hein, pour couper du bois. Ça marche. J'ai déjà fait. Je l'ai déjà fait. C'est pas la meilleure des choses, mais... Vous savez, les scies très fines. Bah en fait bah, c'est comme ça en fait, c'est ça, genre fine comme ça là. Bref. Alors attendez, on va où, à droite ou à gauche? On va voir les... on va voir pour les cerfs. Allez, let's go. On va voir pour les cerfs et on va voir le bâtiment qui nous manque et la cabane qui nous manque. Let's go. Encore un temps tout pourri, c'est chiant. Oh! Il est là. Ok, on a tué les deux alors. Intéressant, on a tué les deux. Les deux loups sont morts. Donc celui qui est parti la première fois, je pensais lui, lui avoir mis une balle dans la tête. Donc c'est lui. C'est lui qui est là. Il a la peau et tout ça. Et après le deuxième qui est revenu, en fait, c'est celui-là qui n'était pas touché. C'est pour ça qu'il est revenu. Et lui, on l'a tué. Donc, on est tranquille. On est tranquille. Très bien. On avait fait cette cabane ou pas? Je crois que oui, c'est celle-là qui nous manque et la maison là-bas. Je crois. Non, on l'a pas faite. Merde, c'est des pierres. Pourquoi j'ai pris les pierres? Regarde s'il n'y a pas des... Ah, là. Des balles. Oh. Ok, très bien. On va aller dans la maison. Là, à droite, on a encore le loup et l'ours. Je vais être honnête, ça fait gâchis. Hein. Ça fait très 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 gâchis. Le fait de pas aller prendre genre la viande ou les boyaux. Mais bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Comme j'ai dit, la viande... oui, ça c'est bien d'avoir la viande, mais on peut pas la manger. Peut-être qu'on sera niveau 4. À la limite, on se forcera à cuire de la viande de loup et tout ça. C'est comme ça, on essaiera de se... de monter de niveau jusqu'au niveau 5. Et quand on sera niveau 5, du coup, bah, on pourra directement la manger. Mais là, je pense que ça sert à rien. On est à peine niveau 3.
très bien. On va dormir une heure. Je voulais casser du bois, mais... Mais honnêtement, on a besoin de... d'éviter d'utiliser trop de calories. Parce que ce que je voudrais faire, en fait, maintenant, c'est potentiellement trouver un cerf. Comme ça, on se le fait. Okay, très bien. Oh, pardon. Donc, on va regarder ça. Et après, on va revenir sur nos pas vers le cerf, je pense. Vous savez, le cerf qu'on avait tué la dernière fois. Alors... Yo, cool, cool. Yes. Regardez s'il n'y a pas des balles par terre, j'en vois pas. Très bien. Très bien. Non, on va toujours vérifier. Ah. Bah là, on a fini le lac. Hein. Là, ça sert un peu à rien de revenir pour eux. Il y a peut-être, il y a le loup là-bas. On va regarder s'il n'y a pas les cerfs qui se baladent. Si jamais ils se baladent pas et qu'il n'y a personne, on va faire un feu... Oh, ça fait chier de d'utiliser encore une allumette, honnêtement. On va peut-être genre se forcer, même avoir froid, on va perdre un peu de vie, c'est pas grave. Mais on récupérera la peau. Parce que j'ai pas trop envie de prendre d'utiliser encore une allumette. Le truc, c'est que vu qu'il y avait les loups, je pense que les cerfs ont bougé. Je vois personne. Ah si, là! Ok, parfait. On va se réchauffer. Il est là, il est là. Il est juste là. Parfait, parfait, parfait. Je crois que les deux maisons ont un lit. Hein. Donc on risque rien. Faut que je regarde combien j'ai de bois. Je pense pas qu'il fasse très très froid. On a 10, après j'ai encore un charbon et ça. Ouais, ça nous ça donnera assez de temps pour cuire. Je pense. Attendez, on peut faire ça. Récupère un peu plus de bois pour pouvoir... ouais, très bien. Pour pouvoir tout cuire en fait, comme ça nous fait une réserve de viande assez comac quoi. Très bien, alors on va manger ça. On va boire, il faut faire de l'eau aussi, c'est vrai que ça on a un problème avec ça. On a un petit problème, ok, dormir 2 heures. Ok, très bien. On est en bonne condition, on va se baisser et on va récupérer le cerf. Alors, il est où? J'arrive pas à le voir. Est-ce que tu aurais bougé? Ah non, il est là, ok. Parfait, parfait. Alors attends, dans quel sens tu vas là? Vers moi ou à l'opposé? Non, t'as l'air d'aller à l'opposé de moi. Alors, attendez, faire ça. Allez! Tu vas où là? Gauche? On a une grotte aussi. Ah tiens, bah tiens, tant qu'on y est. Bon, par contre, va falloir se bouger les fesses. Parce que on va avoir froid et quand on a froid, on tremble. Et il y a strictement rien, ok, cassos. Il y a déjà la moitié. Ok, tu vas où là?
Oh mon dieu, il est derrière nous. T'es embêtant là. T'es embêtant. Tu veux pas, genre vers moi, venir? Allez, petit. Parce que sinon on va avoir froid en fait. Ah non, t'es sans déconner. Si t'arrêtais de parler, on approche du cerf, On va avoir froid, on va falloir qu'on prenne le tir. Faudrait qu'il s'arrête et après je tire. Oh, on va trembler. C'est pas... Bon bah on va trembler alors du coup, c'est cool. On l'a eu, c'est bon. 24 degrés, ça va. Ouf. Ça va, on était assez... assez proche, donc bon. Même si ça tremblait, ça passe. Come on, little fire. Perfect. Très bien. Ok, très bien. Alors, comme d'hab, on va prendre ça. 3. Tout ça. Très bien. On va prendre d'abord la viande pour la faire cuire, comme ça on va pouvoir enlever la peau pendant que ça cuit. Ouais, 50 minutes. Me dis pas que le vent se lève, Sinon je vais pleurer. Et le vent se lève, hein. Le vent se lève, hein. Incroyable. Incroyable. Ah, j'aurais dû utiliser la scie, quel con. On va perdre le feu. On va en profiter le plus possible, on va récupérer, on va essayer de récupérer toute la viande déjà. Après on aura... Oh, ça s'est arrêté je crois. Même 4 minutes... 6 minutes... Ça se passe bien, continue à croiser les doigts. Un peu compliqué de jouer avec les doigts croisés. Potable, très bien. Du coup on a 3 litres. On va faire 1 litre. 10 minutes. Très bien. On est bon, personne, pas de surprise, ça va? Enfin, toutes les surprises, on leur a mis des balles à la tête, donc j'ai envie de dire que ça va. Ça va. Ok, très bien. Ah oui, aussi, on m'a expliqué que je pouvais recharger depuis l'inventaire. Enfin, en tout cas, en fait, c'est pas vraiment recharger depuis l'inventaire. C'est vider le revolver dans l'inventaire, depuis l'inventaire, pour directement, en fait, avoir la douille dans l'inventaire. J'aurais évité de la faire tomber par terre, quoi, en gros. Donc on peut faire ça. Mais après, recharger l'arme, ça reste manuellement, en fait. Faut sortir l'arme, faut l'avoir dans la main et tout ça, et recharger. Ah, donc du coup, voilà. Mais on peut faire ça, c'est vrai qu'on peut décharger l'arme.
pour éviter de faire tomber la douille par terre. Bon. Après, qu'on tire seulement une fois ou deux, c'est pas grave. J'ai envie de dire, hein, c'est pas très grave. Mais voilà, c'est un truc, c'est vrai qu'on m'a dit ça. Très bien. Okay, très bien. minutes, on va faire ça. Ah, ça se passe bien. Beef jerky. Ah oui, c'est vrai que ouais, non, on va pas le manger. 220, c'est tout 920. Ouais, yes, très bien. Très bien. Ah, c'est bingo, hein. C'est top, 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 top. Vraiment top. On va attendre que ça cuise. C'est bon, ouais. Ouais, très bien. On va prendre le deuxième. Boyau. On va peut-être même prendre le 09 en steak. Pourquoi pas. Il nous reste quoi encore? Juste celui-là. Ouais, on va prendre le 09. Bon, très bien. Voilà, parfait. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'il nous reste? Rien à récolter. Il nous reste rien du tout. Là, on a une belle vue, par contre, c'est bien éclairé. On peut aller regarder là-bas. On peut récupérer du bois. Je crois que là, il y a une corde à prendre. Ouais. Il y a une corde à prendre. Alors, après, est-ce que c'est intéressant? Je vais être honnête, je me rappelle plus du tout ce qu'il y a là-haut, en fait. Non, bah rien du tout, je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Alors un truc qu'il faudra faire aussi, j'en avais déjà parlé dans un épisode précédent, c'est récupérer beaucoup de bois pour pouvoir faire du feu à l'intérieur de la maison, là où on campe. Comme ça, ça va éclairer l'établi. Et on va pouvoir crafter ce qu'on doit crafter. Genre par exemple les bottes de serre ou alors les moufles. Le pantalon aussi, je crois qu'on peut faire. Ouais, il faut qu'on fasse ça. Enfin, il faut que je récupère du bois, quoi. On en mette pas mal de côté. 33 minutes. Là, on est un peu au milieu de nulle part, quoi. Enfin, on est au milieu du lac, y a rien. Là-bas, on a fouillé, on a déjà récupéré le bois. On a fouillé les bâtiments. Là-bas, du coup, on va passer par là, donc pas besoin d'y aller maintenant et revenir. Oui, j'ai envie de dire, y a pas grand-chose à faire. Ouais, donc nous... Ah oui, la chapka aussi, j'avais complètement oublié la chapka. Chapka, moufle, bottes, pantalon. Ça nous fait beaucoup à faire. Ça, on peut toujours pas le faire, c'est pas grave. On va faire de l'eau. Après ça, on va utiliser... Je vais regarder combien de bois il me reste. 6. Ah, ça va, on va pouvoir faire de l'eau. Ça va peser lourd la rentrée. Oh, on va se faire chier à avancer. On va se faire un peu chier, j'avoue. Alors, pour augmenter encore notre cuisson, on va faire ça. On va juste passer le temps. Ouais, on va faire ça en boucle.
Très bien, une heure. Non, c'est pas ça que je vais faire. Passer le temps. Très bien. On va regarder un peu le niveau qu'on a. Genre cuisine, on est à... Ouais, on a un peu augmenté. La carcasse, on a bientôt fini. On est bientôt niveau 4. Ça, c'est bien. Ça, c'est très bien. J'ai un peu peur que quelques jeunes nous sautent dessus. Hein. Ça m'étonnerait. Normalement, on a tué tout le monde, donc... On va devoir les mettre de côté, hein, les tisanes. On en a trop. Mais comme j'ai dit, c'est surtout pour augmenter le... La cuisine pour le moment. Il y a l'eau aussi qu'on est en train de vider. Ouais, on a plus que 2 litres. Je vais voir un peu. Ça va, ça augmente. Pas des masses, hein, mais ça augmente. Ça augmente. Il y a l'allumage de feu qu'on pourrait un peu forcer au niveau 2. Potable. Bon, ok, on est bon. Bon, bah, je suis content d'avoir remis des bois. C'est bien. Très content d'avoir remis du bois. Ouais, non, là c'est mort. Bon, bah allez, on s'y va. Ah oui, On a combien? 37. Alors après, on peut attendre un peu. Voir si ça passe. Comme ça, c'est bien. Là, on a bien augmenté. On a le revolver niveau 2. C'est quoi ces bruits que j'entends là? On va y aller. Allez, go. Go, go, go. Alors, on a toujours la peau du loup, mais honnêtement, encore une fois, la peau du loup, c'est en secondaire. La peau du loup, c'est pas rare. Et ça met pas extrêmement longtemps pour sécher. Mais surtout, c'est qu'on peut pas l'utiliser pour le moment. Donc c'est pas vraiment grave de pas en avoir. Par contre, les peaux d'ours et tout ça, ça met énormément de temps. Je crois que c'est 15 jours. Hein. Je crois bien. Donc ça, de l'avoir maintenant, ça c'est cool. On va même en récupérer une autre. Alors ce qu'on va faire, la prochaine fois, parce que là, je pense qu'on va arrêter là. C'est bien passé. La prochaine fois, ce qu'on va faire, c'est retourner donc vers la cabane du trappeur, donc c'est pas dans cette direction-là, et essayer de trouver un élan. Essayer de trouver un élan. Parce que pourquoi? Parce qu'on a les munitions, on a le revolver. Donc honnêtement, je serais pas contre. Je serais vraiment pas contre trouver un élan. On a la nourriture pour, on a l'eau, on a les ressources. C'est pas comme si on avait besoin. Genre, par exemple, comment expliquer? Genre, quand on n'a pas l'arc, c'est la merde. Ok, c'est la merde pour manger parce qu'on peut pas, on peut pas chasser, on peut pas vraiment se nourrir. Vous voyez? Et c'est un problème, ça c'est un très très gros problème en fait quand on peut pas se nourrir comme ça.
Là, on peut. Là, on a un revolver. Donc, on peut, on va dire, prendre notre temps, un peu explorer, machin et tout ça. Chasser un peu ce qu'on veut, parce que quand j'ai dit, comme j'ai dit, quand on n'a pas l'arc, on chasse pas ce qu'on veut, on fait avec en fait. On trouve peut-être des carcasses déjà mortes. 1, 2, 3. On trouve peut-être des choses déjà mortes et on va récupérer quelques pots, mais on n'en aura jamais assez en fait pour. J'ai plus rien à jeter. Non. On n'en aura jamais assez en fait pour autre chose, pour genre créer quelque chose. Donc on est obligé d'aller récupérer un arc, crafter un arc. On est obligé d'aller récupérer, de crafter couteau, hachette et tout ça. Mais là non, là non, là on n'a pas besoin de faire tout ça. Pas trop vite en tout cas. Donc j'ai bien envie d'aller récupérer genre le sac. Genre enfin la peau d'un élan et faire un sac. Ça pourrait vraiment être cool. On est à 72% en plus du revolver, donc c'est bien. On a encore 33 balles, c'est bien. On a récupéré des livres. Ça, on va le mettre là. Donc ouais, il y a possibilité de faire quelque chose. Il y a vraiment possibilité de faire quelque chose. Et je pense qu'une fois que j'aurai. Qu'on aura chassé genre l'élan et tout ça. Ce qu'on peut faire, c'est. C'est tout simplement. Attendez, faut aller vite. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais dire? Une fois qu'on a fini l'élan. Qu'est-ce qu'on fait après une fois qu'on a fini l'élan? Merde, j'ai oublié ma pensée parce que j'étais tellement concentré. Ah oui, la pêche. Une fois que j'aurai fait l'élan, j'ai envie de faire la pêche honnêtement, moi perso. Alors après avec l'élan, ce qu'on peut faire aussi, je vais le montrer, c'est la cape. La cape, c'est pas mal. C'est un très bon vêtement. Ok, très bien. Faut faire attention à la lampe, on n'a pas de fuel. C'est pour ça que je voudrais faire la pêche. Et là, je pense que je ferai une pause et je pêcherai pendant un très très bon moment. Et en plus, on a plein de boyaux, donc on va pouvoir faire des fils. Voilà, 30, c'est bien. Alors, ouais, comme je disais, une fois qu'on a l'élan, genre on pourrait faire ça. Donc il en faut juste une seule. Ah non, j'ai rien dit. Non, j'ai strictement rien dit. Non, non, non. Donc ça sera que le sac, voilà, tout simplement. Ça sera le sac. Ça sera nickel. On aura encore 5 kilos de plus. Ça sera vraiment, vraiment top. Voilà. Et je pense que quand on aura donc... je l'avais déjà dit. Quand on aura genre mouffe, chapka, bottes, pantalon, x2 peut-être. Tout ça. On ira à la forge, on ira faire un couteau, une hachette. Après, accessoirement, on fera un arc aussi. Et j'ai envie, une fois qu'on aura fait ça, donc déjà, bon, ça sera passera un petit moment. J'ai envie d'aller au canyon des cendres, en fait. Assez vite. Tout simplement pour aller récupérer le sac spécial, là, et les crampons. J'ai envie de faire ça. J'ai envie de faire ça très vite, en fait. Mais aussi, il faudra passer par l'autoroute côtière. Et je pense qu'on ira crafter au site de désolation. Où est-ce qu'on pourrait aller crafter? Site de désolation, c'est dans un bâtiment. Là, ouais, Muskegmorn, peut-être c'est quand même mieux, parce que c'est à l'extérieur. Donc du coup, on n'aurait pas besoin de... Pas de problème de folie de l'intérieur, là. C'est pas... Ah, je sais pas encore. En tout cas, on n'en est pas encore là, mais on verra. Mais ouais, prochain épisode, on ira donc essayer de trouver un élan. Voilà, tout simplement, on essaiera de trouver un élan. Même si ça nous coûte un peu de vie, parce qu'on va sûrement avoir froid. Mais ouais, élan à tout prix. Comme ça, on peut bouger autre part. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Je vous dis, ben, merci beaucoup encore de suivre toujours cette petite série. Même si elle est un peu spéciale, je sais, c'est la nuit, etc. etc. Mais honnêtement, c'est cool à jouer et ça se passe plutôt bien. Et après, j'ai dit, je vais essayer d'avoir un peu plus de fuel pour pouvoir utiliser la lampe plus souvent. Mais voilà. En tout cas, merci beaucoup et à la prochaine. On va dormir le plus possible et on se reverra à la prochaine fois. Ciao, ciao!